Je rentre sur le terrain motivé comme des gains. Appelle-moi Maradona, Pelé ou Nicolas, c'est comme tu voudras. Passe-moi de jambe, roulette, virgule, cours de cha-cha-cha. Enroulé dans la lucarne, célébration à la Cantona. Le public en folie fait la hola. Bonjour à tous, c'est Nico Gage13. Et aujourd'hui, je suis sur PES 2016. Et aujourd'hui, on va continuer la Ligue des Masters ensemble. Donc, la dernière fois, on s'est quitté en 16e de finale de l'UEFA Europa League. Allez, face à Cercis Maggio, où on a gagné 8-0. Par la suite, j'ai gagné 4-3 contre Lorient. Et aujourd'hui, match retour des 16e de finale de l'UEFA Europa League face forcément à FC Cercis Maggio. Et c'est parti pour ce match. Donc, pour ce match à domicile, c'est mon équipe type qui va jouer, même si on a gagné 8-0 à l'aller. C'était un match facile. Mais je vais garder mon équipe type vu qu'elle est en forme. À part Benjamin Mendy qui est suspendu et il y a deux Siglias à sa place. Mais sinon, rien de spécial. C'est l'équipe type et on va les enfoncer comme jamais. Donc c'est parti. Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Grégoire Margoton pour vous servir. Et à mes côtés, notre expert maison, Darren Tullet. Hello everybody, ravi d'être ici pour vous faire vivre cette rencontre. Allez, c'est parti, on a le centre. Alors on a gagné 8-0 à l'extérieur. Alors à domicile, ça devrait être un jeu d'enfant. L'Olympique de Marseille qui a Allez. fêté sa victoire du match aller à l'extérieur et qu'on voit mal se faire sortir aujourd'hui. Allez, Carrasco qui va centrer. Ferreira Carrasco dans la Non, boîte. personne. Tchelier. Ça passe pas. Rekik à la récupération. Rekik pour Isco. Isco. Isco qui court dans le couloir. Oui. Centre. Le centre au second poteau. Oh là, le gardien en panique, il se rate complètement. Enfin, c'est pas raté quoi, mais bon. Quel arrêt qu'il a fait, c'était vraiment Isco dans dangereux. Quelle détente! Oh là là! Isco pour Carrasco, il se s'est pas juste au-dessus. physique, Quelle belle tête! Il a une belle action dans ce match. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Mais bon, à mon avis, pour se qualifier en quart, il n'y aura pas de soucis. Après, j'espère vraiment avoir un bon adversaire en quart, parce que faire des matchs comme ça, c'est bien beau de gagner, mais moi, je veux de la difficulté, de la compétition et non un truc tout pourri quoi. Je veux du spectacle. Enfin, du spectacle qu'il y en a, mais bon, il y a que mon équipe qui en fait donc. La Saladiera. Paulinho. De Bruyne. Oh, sur le poteau. Quelle belle frappe de De Bruyne. Bah, soyez là qui allait tirer, mais qui s'était prendre le ballon. De Bruyne qui en profite, il la récupère, il frappe. Et ça fait poteau. C'est dommage, mais on a de bonnes occasions déjà en 15 minutes. On la récupère. Oh non, mais Isco! Mais tu fais quoi, mon touche. petit? Le tableau d'affichage reste gelé, 0-0. Boum, allez! L'ouverture du score par Lasana Diarra et ça fait 1-0 dans ce match. Et voici l'ouverture du score. Eh oui les gars, on est là, on est présent, même si on a gagné 8-0 à l'aller, on se laisse pas faire, on va jouer à fond tout le match. Alors là, Lasana Diarra fait une passe de Isco par Lasana Diarra, lui il y va tout seul tranquille. Il rentre et grosse frappe. Et voilà, ben le gardien ne peut pas l'arrêter. C'était trop puissant, c'était très bien placé. Et ça fait 1-0. Ils ouvrent le score, c'est un but qui vaut cher. Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Le gardien loin devant. C'est bien fait ça. Il écarte sa Non! joue long. Oh la frappe! Oh, on a eu très chaud sur cette occasion. On vient de marquer et répondre de suite derrière avec cette occasion, mais bon, ça passe juste à côté. Et de toute façon, Mandanda était sur ce ballon, je pense.
Allez. 6 mètres. Ferreira Carrasco. De Bruyne. Ah, mauvais dribble. Belle récupération de Paulinho. Allez, peut-être un centre là. Carrasco, il est tout seul. Non. Encore Paulinho pour la frappe. Dévié. Ça joue long. Ah putain. Quelle ouais, c'est bon. Cette interception. La longue ouverture sur l'aile. L'interception au bon moment. Ça sprint côté retour gauche. Retour de Klein. Et le geste plein d'autorité. Profondeur pour Paulinho. La frappe peut-être. Oh, Paulinho. Oh là là. Et le deuxième but dans ce match. But de Paulinho sur cette très grosse frappe lourde. Et juste magnifique. Avec au départ le retour de Klein là qui fait un très beau tacle pour récupérer ce ballon qu'on voit là. Il fait Paulinho fait un très bel appel, Klein lui met très facilement, voilà. Et là on va rester dans voilà dans cette ligne. Parce qu'il n'y a personne qui nous attaque, on frappe croisé et 2-0. C'était un match facile pour nous. On le savait, ben, vu ce qu'on a fait chez eux, alors à domicile. Allez, Klein encore une fois sur son couloir. Il accélère côté droit pour trouver. Ah, pour Batshuayi, tu recroises Batshuayi. Oh là là, là-bas. C'est vraiment dommage. Un peu trop de force sur cette frappe. C'est la qualité de la passe qui fait tout. Elle était exceptionnelle. Allez, De Bruyne. Enroulé de De Bruyne. Il peut frapper. Oh là là, c'était mou, bel arrêt du gardien. De position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente. Allez, 2-0 à la mi-temps. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Et on va repartir tout de suite pour cette deuxième mi-temps sans perdre de temps. Bon, on a très clairement la poussée de balle, c'est tir 4 cadré. Eux, ils ont eu qu'un tir et pas cadré en plus, donc bon. Allez, c'est reparti. L'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Quelle solidité, bien joué. Attention à cette passe lobée. Encore une bonne intervention. Allez, De Bruyne. De Bruyne. Ah non, ça passe pas pour Batshuayi, mais Batshuayi la récupère quand même. Isco. Allez, Isco. Le centre peut-être pour Carrasco. Il envoie le ça passe, tête. Ah, oh, ça passe juste à côté encore une fois. Carrasco qui a les boulons de la tête dévissés. Il tire tout à côté, il est mal réglé. Faut ajuster la mire, mon ami. En ce moment, en laissant autant d'espace sur les ailes. On sent qu'ils vont aller chercher ce but. Et pourquoi pas maintenant? Paulinho, qui a déjà marqué aujourd'hui. Batshuayi. Et Batshuayi qui marque aussi dans ce match. Et ben voilà, 3-0. Cette fois, c'était la bonne pour Batshuayi. Qui est juste avant mis une barre maintenant, mais il a mis au fond. Hein. Et là, un très beau joueur collectif en arrière. Paulinho, Paulinho pour De Bruyne en profondeur. Pour Batshuayi, Batshuayi qui frappe et qui marque. Voilà, tout simplement. La construction en triangle. C'est comme le triangle des Bermudes, toute la défense est tombée au milieu. Et on ne les a plus jamais retrouvés. Bien présente. Allez, Klein qui la récupère, qui la passe à Carrasco. Carrasco qui va la centrer pour Isco, tête, et Isco qui rate aussi ses têtes. C'est pas possible, mais deux ailiers qui ratent toutes leurs têtes. Et voilà, c'est pas grave.
Au lieu de gagner 5-0, on gagne 3-0, voilà la différence. Allez, De Bruyne qui récupère. C'est joué long, attention. Une occasion. Il peut y aller. Oh là là, belle frappe, mais on était dans un angle fermé. C'était difficile, mais on a tenté, au lieu de centrer, bon. C'est pas grave. Alors, combien est. Allez. À la prochaine sortie de balle, on fera un remplacement. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. De Bruyne. Oh, la grosse frappe là de De Bruyne. Oh, ça passe juste à côté. Vraiment dommage. De Bruyne aussi qui a le pied dévissé, c'est pas possible. Le meilleur joueur de mon équipe, je pense que c'est. Et franchement, il n'arrive pas à mettre des buts comme ça. Pourtant, c'est simple. Allez. On va faire notre remplacement. Alors, on va voir les fatigués. De Bruyne, déjà, qui n'est pas en forme du tout, qui rate tout depuis tout à l'heure. On va sortir Carrasco pour mettre Coman. Et un petit dernier, peut-être Drogba, je suis pas sûr. Ouais, allez. Bassoyer, on va le mettre au repos et on va faire rentrer Didier Drogba qui est en forme. Ah, de l'activité sur les bandes touches, changement peut-être. Oh, quelle occasion, on aurait pu faire mouche. Il a pas un petit problème là le commentateur, il est un peu en retard, non? Allez, c'est reparti. Allez, premier ballon pour Drogba. Drogba pour Cabella. Ah non, Paulinho. Paulinho qui tire. Et qui marque, ben voilà. Et ben voilà, remplacement. On récupère le ballon, on marque. C'est tout facile, quoi. Voilà, Drogba qui rentre, qui fait une passe décisive. C'est magnifique. Alors là, on voit le gardien sur un dégagement. Eux, ils ont récupéré quasiment aucun ballon à la tête. Alors, là, on a Paulinho pour Drogba. Drogba pour Paulinho en profondeur. Et grosse frappe de Paulinho et ça fait but. De la tête, franchement, ils sont invisibles. Ils chopent aucun ballon sur les relances. Encore une bonne intervention. Allez, on va faire tourner en haut. D'un triplé dans ce match. C'est vrai, d'autant qu'il lui reste encore pas mal de temps. Allez, piqué pour Drogba. Drogba qui est énorme de la tête. Et ben voilà, il le montre, il marque de la tête. Et ben au moins lui, il rate pas ses têtes. Didier Drogba qui est là, qui est fort physiquement, qui est présent sur tous les ballons de la tête et il marque. On va voir ce but au ralenti. Voilà, Paulinho qui fait son taf tout seul. On voit bien la route tout tracée, il n'y a personne, comme sur une autoroute, on trace. Et là on va mettre le petit centre, le défenseur qui saute mais qui est trop bas. Et Drogba qui était au bon endroit pour reprendre cette tête, contrairement à leur défenseur. Et il a mis au fond. Allez. C'est bon, il maîtrise complètement. C'est reparti. Oh là là, Drogba qui la récupère. Mais bon, ça a été juste contré, on n'a pas pu le contrôler ce ballon. De Segui. C'est une bonne situation sur l'aile gauche. De Segui pour Isco. Allez, Isco pour le centre. Non, dévié. Allez, c'est pas grave. On a un corner. Mais vu qu'ils sont absents de la tête, peut-être qu'il y aura but sur ce corner. On ne sait pas. Alors là, Sanadjara au corner. On va la mettre vers ici. Voilà. Allez. Ah, dommage. On n'est pas passé loin d'un score de tennis. Il a mal pris ce ballon à la tête. C'est parti et très très haut et très facile à arrêter pour le gardien. Allez. Quelle solidité, bien joué. Il garde ce ballon. Là, Sanadjara, peut-être une grosse frappe de loin. Attention. Grosse frappe. Oh là là, c'était bien parti. Mais je pense que le gardien a eu le temps de voir la trajectoire pour arrêter ce but. Mais il a quand même eu de la difficulté parce qu'il a dû la claquer. Allez, c'est pas grave, un petit corner. Alors, allez, Coman, c'est soit au corner. Est-ce que Coman va tirer mieux que la Sanadjara? On va voir ça de suite. Non. Bon, là, c'était quasiment sur le gardien. Il n'a pas eu de problème. Il est sorti. Il a eu.
Ah non. Et c'est la première faute du match. Allez, à la tête. Oh là. Allez, Paulinho. Coman. Allez, ça peut faire mal. Drogba. Oh putain, j'aurais peut-être pas dû faire le centre. Encore une bonne intervention. Paulinho, la grosse frappe. Voilà, oh là, il a crié le ballon. C'est pas possible, j'ai tiré trop fort. Allez, c'est pas grave. On en est à 5-0 dans ce match. Et oui, 5-0. Allez, cette fois on l'a encore, on la récupère. J'espère qu'il est pas hors jeu. Eh ben, c'est signalé en jeu. Ouais, dommage. Mais c'était vraiment de rien du tout. Hein. Une graine de riz, une graine de sable, une graine de je sais pas moi. C'était vraiment pas loin. Il cherche son coéquipier. Oh, il y a Coman tout seul, il est complètement oublié sur son couloir. Oh là. Ça peut être dangereux. Oh, Coman qui trouve le poteau. C'est dangereux. Oh, c'est vraiment dommage, j'avais fait fin de centre. Et derrière la frappe, et ça trouve le poteau. Paulinho. Enroulé Drogba, non, ça passe pas. Cabella, oh là là, il dévie tout, c'est vraiment pas possible. Allez, un corner avant le coup de sifflet final du match, parce que bon, on est à la 4e-10e. Allez, peut-être un dernier but. On est là, on est présent. Oh, dommage. C'est pas fini, le ballon nous revient dessus. Eh si, c'est fini. Et ben voilà, même le match est fini, tout est fini. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se qualifie pour les quarts de finale. Laissez un petit like pour cette qualification, pour ce 5-0. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez un max pour aider à me faire connaître. Et merci à tous. Et à bientôt.